Alors, le GDJ, c'est quoi ? Eh bien, à la base, c'était une bande de jeunes trop stylés qui s'aimaient beaucoup et ont décidé de créer un groupe chrétien, mais sous un autre nom, bien sûr, que le SPK, tout le GDJ. Mais non, c'est une blague. Bon, allons à la source. Il était une fois dans une très jolie île, une paroisse ornée de briques. Lors d'un culte, un monsieur annonça la reprise d'une entité, le GDJ. Alors, on n'a pas attendu longtemps pour que les rencontres se fixent tous les samedis après-midi à 14h environ. Au départ, ça se passait à la cabane, puis parfois dehors, au presbytère, des fois au temple. Bref, on n'avait jamais des lieux fixes. Du coup, quand on venait pour les rencontres, on commençait d'abord par chercher où étaient les jeunes. Pour tout vous dire, les rencontres se passaient comme ça. Le plus sage d'entre nous menait la rencontre. Et le reste du groupe... Mais au fil du temps... Et au départ aussi, les activités du GDJ se résumaient au chant. Ben, parce que, à l'époque, on avait de belles voix. Et plus tard, on a commencé à faire des sketchs, on a commencé à faire des 3 minutes du GDJ, les deuxièmes dimanches du mois, puis les cultes animés au mois de juin, et les célébrations du 31 décembre. Le 31 décembre. Ah, mais pour pouvoir réaliser tout cela, il a fallu un financement. Et d'où nos levées de fonds, où on vendait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à manger. Mais bien sûr, avant chaque événement, il y a les préparatifs et les répétitions qui pouvaient durer toute une journée et toute une semaine non-stop. Et il ne faut surtout, surtout, surtout pas oublier le manger. Nous, au GDJ, on aime ça, manger. Même si on était fatigué des préparatifs, on était toujours partant et dynamique quand il s'agissait de manger. Ah, et dernièrement, le GDJ a fait les hackathons. Et où on a créé le hashtag For Christ I Am. Très difficile à prononcer, c'est en anglais. Hein. Ce qui nous permettait de réaliser et terminer un projet en utilisant nos talents en une journée pour louer notre Dieu à notre façon jeune. On dessinait, on dansait, on créait des chansons, on faisait des sketchs, on réalisait des clips, on prenait des photos. Mais faut savoir aussi qu'au GDJ, on ne s'amuse pas tout le temps non plus. Hein. On a des formations et des débats avec les pasteurs. On a des retraites annuelles pour nous permettre de se rapprocher encore plus de Dieu. Et bien sûr, de manger et de voyager ensemble aussi. Et au fil du temps, comme au GDJ, on mange beaucoup. On s'amuse beaucoup. Et on rigole beaucoup. Et bien en fait, au GDJ, c'est devenu plus qu'un groupe. On est devenu une grande famille qui s'aime beaucoup. Et cet amour ne vient d'autre part que de Jésus-Christ. Ce qui fait que, ensemble avec Jésus-Christ, et bah, nous sommes bonheur!